Waouh, tant de vidéos sur Ghost, et dire que je l'ai même pas. Bref, on est le 5 novembre 2013, le jour de la sortie de Call of Duty Ghost. Les vidéos commencent à arriver et moi, en tant que youtubeur, je l'ai toujours pas acheté. J'ai voulu remédier à ce retard. Je suis allé sur le magasin Steam, cliqué sur Ghost et je l'ai acheté. Call of Duty Ghost, j'arrive! Au bout d'une heure, le téléchargement n'était qu'à 2%. J'étais très impatient. Oh oh, c'est à 2%, on va battre le record de vitesse! Je n'ai pas vraiment réagi comme ça. Quoi, 2%? Je vais pouvoir y jouer à Noël si ça continue! Bon, 16 heures plus tard, 16 longues heures plus tard, ça s'est finalement terminé. J'ai tranquillement lancé le jeu. Mais non, sur Steam! Ah ouais, c'est vrai! Donc j'ai lancé le jeu. Allez, ouvre-toi! Et là, le jeu s'est lancé, et j'ai pu prendre du plaisir sur ce Call of révolutionnaire et passionnant. Rectification, il s'est pas lancé, j'avais pas assez de RAM. Je suis alors passé par plusieurs stats émotionnels. Premier stat. Oh non, pitié, non! Pourquoi? Ah non. Second stat. Attendez, c'est une blague? Bon, on a foi en jeu, on va le relancer, vous inquiétez pas. Troisième stat. Mode explosion activatée. Lumbilogue. Finalement, je me suis flingué. Bref, j'ai pas joué à Call of Duty Ghost.